Chers amis du livre et de la Fondation, chers lauréats, chère Suzanne Amrojek, c'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette quatrième remise du prix Jan Michalski. Son originalité réside d'abord dans la composition internationale et multilingue de son jury, renouvelée tous les 3 ans. Une autre spécificité de notre prix réside dans les ouvrages nominés. Seuls les membres du jury sont habilités à présenter chacun 2 livres. Nous distinguons 1 livre par an, quel que soit son genre littéraire, fiction, non-fiction, ou sa langue d'écriture. Le livre vainqueur cette année nous a été proposé par Ilya Troyanov. Il m'a demandé de vous lire son texte de présentation rédigé en anglais. « The Colonel is set in the 1980s. Although the novel only covers a single day, Iran's recent political turmoil echoes in every page. The beginning is ominous. A knock on the door late at night, 2 men sent to take the colonel in. He's summoned to pick up the body of his teenage daughter, who had disappeared 2 months earlier and was murdered by the authorities. His efforts to wash and bury her within the day, as according to Islamic custom, lead to different encounters and give rise to numerous memories. The colonel is plagued by his conscience. He feels he has failed his family. All his 5 children have been destroyed. The colonel has his own demons to cope with, having killed his wife for being unfaithful to him. Daulat Abadi powerfully conveys the colonel's despair and the dark and bleak atmosphere of life for many in Iran. Rarely have violence and power been portrayed with such unsparing vehemence. Je reviens au français et j'ajouterai quelques mots. Né en 1940 dans le nord-ouest de l'Iran, Mahmoud Daulat Abadi a travaillé dès son enfance comme ouvrier agricole et berger. En 1969, paraît son premier recueil de nouvelles. Alors, il s'attaque à la rédaction de Kelidar, son magnum opus, immense épopée de 10 volumes qu'il termine en 1983, à peine interrompu par 2 ans de détention dans les geôles du régime du Shah. Sa détermination pour l'écriture tient proprement du phénomène. Le lauréat du prix Jan Michalski 2013 est Mahmoud Daulat Abadi, que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Mahmoud Daulat Abadi montre dans son formidable livre 4 personnes, 4 Iraniens, veut dire aujourd'hui incarner toute l'horreur de l'histoire, mais aussi vivre jusqu'au vertige toute la turbulence de l'âme. Dans ce monde fondé sur la violence, les innocents s'avèrent aussi coupables, le mal s'insinue dans tous les cœurs. Le livre de Daulat Abadi, sans renoncer à esquisser une fresque épique de la récente histoire iranienne, présente une vision impitoyable du monde moderne. Le roman de Mahmoud Daulat Abadi a emporté nos suffrages également pour son art romanesque, auquel nous devons un livre sombre, mais bon, en même temps, une belle fleur du mal romanesque. Merci. Alors, ce n'est pas un récit, nous ne recevons pas un petit résumé de ce qui s'est passé. C'est à nous de le reconstruire à l'intérieur de ce monde compliqué, un dialogue entre 2 personnages ou bien 2 moitiés du personnage, 2 moitiés du colonel. Au fond, ce sont 2 fantômes d'eux-mêmes que l'on a, 2 haines de soi également, parce qu'ils ont du mal à admettre ce qu'ils sont l'un et l'autre. Alors c'est un huis clos, nocturne, quelque chose d'étonnamment kafkaïen dans tous ces cauchemars qui se succèdent. Voilà, c'est un livre sur une sorte de père indigne qui a perdu ses enfants, qui les recherche, et nous nous identifions un petit peu à lui à travers les complications de l'écriture. C'est une écriture compliquée, belle, que celle de ce colonel. Je vais procéder maintenant à la remise officielle du prix, lauréat. C'est surprise. Et je vais demander à Philippe Cognier de s'avancer. Philippe Cognier qui a réalisé l'œuvre d'art, qui fait partie du prix. It was good because in the setting Madame Michalski is going to run this important program and the ladies is so important and was important in the
an Iranian intellect.